Maranatha, Maranatha, Cristo vem ici bas, Cristo vem ici Amis téléspectateurs, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment nouveau, intéressant. Et les bases sur ce sujet, nous avons parlé depuis longtemps que le peuple, la Bible, là, c'est nous-mêmes, les Noirs. Et le peuple a été pour aller en Égypte, Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. De l'Afrique, il va être venu comme esclave. Deutéronome 28-68. Et Sophonie 3, en parlant de fait temps, hein, dit « Mais au l'autre bord !» Sophonie 3, verset 10, 13, 14, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mais dispersés reviendront. Donc, nous venons que venons ensemble de mensonges qui créent pour que le peuple là capable d'un état de ténèbres. Il y a toute qualité maniguette qui fait pour capable faire méchanceté avec le peuple là et nous capable de sous forme de jalousie tout, côté que le peuple là resté dans ténèbres. Maintenant, on a fait temps. Peuple bon Dieu a commencé à réveiller. Et grâce à Dieu, nous disons merci bon Dieu. La visite nous a fait un, la réveillé nous. Merci à pile. Parce que bon Dieu toujours aime le peuple. La Bible a eu plusieurs conseils. Qui ça pour le peuple a fait. Quand la Bible dit comme ça que si nous confessons péché nous, l'Éternel voulait pour nous confesser péché nous. Deutéronome 30 plutôt. Deutéronome 30. Et l'Éternel voulait. Et l'Éternel parlait avec le peuple, il dit que ça a fait temps. Et c'est très important parce que nous parlons attachés à cette connaissance que nous sommes le peuple de la Bible, les Noirs, qui ont été déportés de l'Afrique pour travailler comme esclaves parmi toutes les nations de la terre. Attachés à cette connaissance, il y a aussi une responsabilité dans l'affaire d'État. Quand il y a là, pas une autorité, pas une affaire blanche, c'est une autorité Bible encore. Et si pasteur pas dit, ne c'est pas ça. Quand il y a nous parle direct devant le trône, comme l'apôtre Paul l'a dit, venez carrément devant le trône de la grâce. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, vous serez plus blanc que la neige. Donc cette dimension, c'est là que nous avons besoin dans la fin des temps pour nous capables de réveiller et bénédictionner, tourner back à nous-mêmes. Parce que nous, pratiquement, nous sommes toujours esclaves des nations. Toujours esclaves des nations. Dans Deutéronome chapitre 30, la Bible dit comme ça, lorsque toutes ces choses t'arriveront, les bénédictions et la malédiction, que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Deutéronome 30, commence au verset 1. Ici, c'est clair. Et Moïse rappelle le peuple là que si que
nous prend à cœur et paroles ça nous venons réaliser c'est nous qui peuple la Bible là et puis qu'on y a là nous reconnaître bah, nous t'es béni jusqu'au temps de Salomon nous t'es béni et après le temps de Salomon nous venons malédiction tomber mais qu'on y a une fin de temps et la Bible dit que ça si nous prend à cœur m'appelez pour nous c'est très important si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur de toute ton âme et toi et tes enfants selon ce que je te prescris aujourd'hui retournez back nous faisons rétrospectif en arrière au temps de Moïse là nous essayons nous tenir dans la Bible là nous retournons en arrière et nous remarquons ces nous tenir dans la Bible là alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé ici l'Éternel promet que l'a rassemblé nous pour faire nous retourner back dans le bon sens, qui veut dire dans le pays où nous habité. Et quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient les pères, et tu le posséderas, il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant de prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau, qui veut dire, bon Dieu, parle, remets-nous encore, il parle, bénis-nous encore, de nouveau plaisir à ton bonheur. Et comme il prenait plaisir à tes pères. Même Jean, dans ton Salomon, dans ton David, bon Dieu te bénit nous, quand ça l'a béni nous encore, si nous prend à cœur, pendant nous dans pays exil, yo, pendant nous exilés, yo, pendant nous dans l'autre pays, yo, par exemple nous en Haïti, nous Saint-Domingue, nous Canada, nous États-Unis, nous au Brésil, nous et dans toute Caraïbe là, dans Amérique centrale, et dans les autres pays du monde, même en Afrique là, tous exilés nous y est. Pendant nous dans pays ça yo, si nous prend à cœur la loi de Moïse, les commandements de Dieu, ne bon diable circoncis que nous. Premier step qui pour établir, là nous fin connaissez Israël nous y est. Deutéronome 30 ban nous secret. Deutéronome 30 dit dans fin temps après nous fin ouais malédiction nous t'es béni, qu'on y a nous maudit après moi dans fin temps là nous toute malédiction ça va passer sur nous t'es étudié, elle nous t'es ouais elle pour elle chercher dans Maranatha que je reviens, mcatv.org ou bien dans YouTube à checker pour nous voir côté que toute malédiction que nous parlait de nous met chercher. Maintenant nous voit tout bagage ça arriver, maintenant fin temps là nous prend à cœur, c'était nous qui était dans la Bible là, nous commencer à observer la loi de Moïse, bénédiction commençait à tomber. Ha! I love it. Parce que dans fin temps, l'Éternel promet, son promesse c'est d'être. Si nous retournons à la loi de Moïse, nous songeons de parler de la Pâque. Nous, tous les Noirs du monde, tous Haïtiens, tous Israélites, doivent observer la Pâque. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces, hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et qui l'ira chercher et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher et que nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire que tu es tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets devant, aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et tu multiplies, et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Ici, je veux dire, nous t'aimons parler sur la loi de Dieu. Depuis me convertir,
ça fait quelques temps, toujours on il déconseille de monde qui a prêché l'évangile que qu'on est là nous sous la grâce, nous sous la grâce, nous pas besoin d'observer la loi de Dieu encore. Mais est-ce que vraiment c'est biblique? Chers amis, m'a dit nous la vérité. D'après ça nous sautons là dans Deutéronome 30. D'ailleurs, on fait une analyse de la Bible. La vraie Bible, c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, c'est une série de commentaires, en anglais, c'est afterthought de ce qui est passé dans le temps de Jésus-Christ, Yahshua. Dans le temps de Jésus-Christ, ce qui est passé dans l'environnement, ça, il a écrit pour montrer nous que Messie a venu. Alors ça, tout nous va le faire étudier. Mais il pas jamais, monsieur pas jamais l'intention pour changer en ce testament. Ce n'est pas l'intention du tout pour te changer tout ça qui te dit dans ce testament. Preuve, la preuve c'est que dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ l'a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Donc là encore, Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 5, il met le clair que pas de venir pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Et si quelqu'un enseigne, si gon moun qui dit comme ça que oh oui, et Jésus-Christ, tout moun qui a enseigné que Jésus-Christ a aboli la loi et les prophètes, yo tout yo pral payer conséquences parce que la Bible dit comme ça que l'Éternel pral rejeter. Pas aucune loi dans ce testament qui est éliminée. Même temple là pour retourner encore avec sacrifice là-dedans. Nous parlons ouais dans toute Bible là, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe 56, Ézéchiel 37, Ézéchiel 40, Ézéchiel 49, 40 jusqu'à 47, tout a parlé de temps à venir côté que la Bible dit la loi de Dieu qui est pour restaurer. Dans Matthieu chapitre 5, nous sommes là que si quelqu'un enseigne que quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout bagaille pour qu'on arrive. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. En autre mot, le royaume bon Dieu a venu au pape qui a gouverné avec Christ. Son bagaille qui est très simple. Au pape qui a gouverné avec Christ, parce que tout simplement, tu as enseigné la loi de Dieu éliminée. Si le temple n'a pas éliminé, qui veut dire toute fête qui existait. La Pâque existait et la Pâque n'a jamais été éliminée. Et la fête de la Pentecôte n'a pas existé, fête de la moisson existait, fête des tabernacles existait, fête de expiation, Yom Kippour existait, toute fête dans la Bible existait. Et même qui Jean pour nous marier existait, parce que le peuple a toujours existé. Peuple bon Dieu voulait pour le marier, Jean bon Dieu demandait pour le marier. Et nous parlons, c'est ça qui causait malédiction, nous. Mais c'est ça nous soutenons dans Deutéronome 30 là. Parce que nous parlons dans Deutéronome 28, verset 45, la Bible dit que ça, toutes ces malédictions viendront sur toi, et elles te poursuivront, et elles seront ton partage, jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas obéi, observé ses commandements et ses lois que je t'ai prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Et vraiment, vrai, depuis des centaines d'années, nous sommes signes et prodiges parmi les nations de la terre, nous avons humilié dans l'esclavage, nous avons en bas malédiction, nous n'avons pas qu'à produire et ça a créé les conditions que nous avons. Malédiction de Théonome, l'imposer sur nous et la continuer à imposer sur nous autant que nous ignorer la loi de Moïse. Nous pouvons dire, on connaît à nous en Christ, nous et bobine. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 15 à 17, pas maintenant tête nous que nous sommes venus pour abolir la loi de Moïse. Nous parlons, secret délivrance peuple noir là. D'ailleurs, tout le monde, c'est la loi de Moïse qui mariait avec le sang de Jésus-Christ. Deux bagages, c'est tout peuple israélite là, les noirs, même les blancs tous si vous voulez. Mais ça qui est plus important, nous-mêmes, nous avons un contrat qui signe déjà. Contrat, c'est signé à Tinou qui emballe. Tout le temps que nous ne sommes pas sortis dans le système de pensée que la loi Moïse n'a pas éliminée, nous parlons d'un problème. Et c'est ça qui a fait un. Nous parlons, ouais. Et Esaïe, ouais, peuple bon Dieu, en fait un. Esaïe dit comme ça, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Qui veut dire, dans le fait, hein,
Si que, mais si peuple bon Dieu a pas parlé de la loi de Moïse restaurée et le sang du Christ, le témoignage, c'est quoi? Le témoignage de Jésus-Christ. N'a pas en Apocalypse chapitre 19, verset 10. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, le témoignage de Jésus-Christ, marié avec les commandements de la Bible, c'est ça qui est clé pour nous retirer malédiction qui sont noirs. Malédiction peuple noir là, il est capable d'enlever. Mais il faut qu'un professeur, un teacher, un monde qui a enseigné la restauration de toutes les lois, y compris la Pâque, y compris le sabbat, y compris pas manger cochon, y compris fête, y compris tout ça, bon Dieu, dit dans Moïse. Et le temps viendra, temple va le restaurer. Ça, ce n'est pas l'évangile nous donne tout facile. Ça, ce n'est pas l'évangile nous donne tout facile. Ça, c'est l'évangile que bon Dieu, ben moi, pour le peuple. Donc là encore, nous venons remarquer que la loi de Moïse doit restaurer et le sang de Christ marié ensemble. L'apôtre Paul dit comme ça, Christ crucifié, pouvoir, puissance pour ceux qui croient, folie pour les païens. Et comme on qui t'a posé mon question, qui dit, frère Albonor, et dans le Nouveau Ancien Testament, n'est-ce qu'on a fait un miracle? Comment ça se fait aujourd'hui, n'est-ce qu'on a fait un miracle? Quoi? Si ce n'est pas même Jésus, ah, bah, ça y est. Ou qu'on est vraiment, ça c'est une question que tu as longtemps à poser, mais tu as une réponse. En certain temps, bon Dieu, ma réponse là. Monsieur apôtre Paul, yo te qu'on observe la loi de Moïse. Jacques, Jean-Pierre, tout le monde, Jésus-Christ, tout le monde observe la loi de Moïse. Yo te observe la Pâque, yo observe la fête des tabernacles, yo observe la Pentecôte, et toute fête, yo, d'ailleurs, c'est durant la Pentecôte que tu as un plus gros miracle qui fait. C'est fête. C'est fait l'Ancien Testament, tu as observé. C'est durant la Pentecôte, tu as fait plus gros miracle à faire. Donc, c'est là que, chers amis, pendant qu'il a observé la loi de Moïse, la puissance de Jésus-Christ descend rencontrer eux, et puis qu'on y a là, pouvoir, puissance. Ha! Chers amis, où qu'on est que Haïti est capable de venir un pays plus puissant dans le monde? Non? Si tout Haïtien mettait à cœur, ça va dire nous là, nous commençons à retourner dans la loi de Moïse. Et puis qu'on y a là, nous relais Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si mon peuple, alors qu'on y a nous capables de connaître, Jésus-Christ dit, si mon peuple là, c'est, il t'a parlé de nous. Si mon peuple en qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et détourne de ses voies, détourne de ses péchés, qui veut dire converti. Retourne back dans la loi de Moïse. Nous parlons, ouais, tout côté de conversion, la loi de Moïse toujours existait. T'es un jeune homme qui vient poser Jésus-Christ question. Jeune homme n'a posé la question, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Premier bagage, Jésus qui n'a pas dit, oh, acceptez Christ comme sauveur personnel, soyez baptisé, et puis gagnez la foi pour sauver. Pas ça, il dit non? Observez la loi de Moïse. Premier bagage, il dit. Et puis, jeune garçon a dit, maître, je l'ai fait depuis, que je, depuis ma jeunesse. Et puis, c'est là Jésus qui dit, qu'on y a qu'à jouer moi. C'est qu'on y a qu'à suivre moi. Donc, tout bagage là, tout l'évangile là, chers amis, garantis-nous. Li basé sur la loi de Moïse et le sang du Christ. La loi de Moïse, sans Jésus-Christ. Les deux marchent ensemble. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit que ça, mon peuple détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ici, son mari qui est très important. Ça, c'est nous qui avons parlé là. Nous avons parlé des 12 tribus d'Israël qui étaient pour le sable de la mer, nous t'étudions déjà. Nous, c'est le peuple noir là. Nous ne pouvons pas rater, mentionner ça, parce qu'il est très important, parce que c'est nous qui avons question. C'est nous qui payons les conséquences là. C'est nous qui avons porté croix jusqu'à présent. C'est nous qui avons honte parmi les nations. C'est nous qui avons malédiction parmi les nations. C'est nous qui avons humilié parmi les nations. L'âme dit que ça, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Peuple-là, mettez de côté la loi de Moïse. L'Éternel dit comme ça, moi-même, tout moi, je t'ai eu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi, j'oublierai tes enfants. Mes problèmes, nous. Regardez, tigrin haïtien, il y a tout, les Dominicani, il y a marché au Brésil, aux États-Unis, il y a déporté, tout partout. Pour qui ça? Parce qu'ils ont mis de côté la loi de Moïse. La loi de Moïse, mettez de côté, Jésus-Christ dit, oubliez-nous tout. N'oubliez, mon Dieu, oubliez-nous tout. N'oubliez Yahweh, n'oubliez nous tout. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction pour moun kap restaurer la loi de Moïse. Puis ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Regardez bien mon autre partie dans le verset ça qui est très intéressant. Il dit que ça, vous avez perdu, vous serez dépouillé de mon sacerdoce. Ici c'est très important qui veut dire, te gon bagay nous te gagné. C'est nous qui avons prêché l'évangile dans mon nom. L'on prêché l'évangile, c'est sacerdoce là qu'on gagne. C'est l'évangile là, c'est lui-même qui sacerdoce là. C'est vous qui prêtez là, parce qu'on va bailler l'évangile dans le monde. Et puisque nous rejetons la loi de Moïse,
Bon Dieu dit que ça bon, moi rejeter nous tout. Donc qu'on y a là qui m'a prêché l'évangile, on pas qu'être païen, on pas qu'être européen, on pas qu'être monde dans monde qui dit sûr qui peuple bon Dieu, il y a marché prêcher l'évangile dans monde et puis nous-mêmes nous dépouiller de sacerdoce là. C'est exactement ça qui fait. Donc nous capable ouais chers amis. Dans Romains chapitre 3, apôtre Paul fait on pose une question dans Romains chapitre 3 verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Là, apôtre Paul pose une question que en pile monde prend apôtre Paul, dit c'est apôtre Paul qui change bagayo, nous sommes plus sur la loi, nous sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce, on paquette pas l'pile. Chers amis, écoutez bien. La Bible dit comme ça, est-ce que nous anéantissons la loi là parce que nous pas sous la loi, nous sous la grâce? Apôtre Paul répond une question dit loin de là. Parce que c'est loi qui fait nous connaître ça adultère. C'est loi qui fait nous connaître qui ça péché. C'est loi qui fait nous connaître qui ça convoitise. C'est loi qui fait nous connaître qui ça voler. Donc ou pas qu'à éliminer la loi. Et même si apôtre Paul t'a dit éliminer la loi, gardez bien, apôtre Paul pas une autorité ça. Apôtre Paul doit c'est à prêcher la bonne nouvelle que Messie a été venu accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel pour être sauvé et restaurer la loi de Moïse. Apôtre Paul pas gain autorité parce que Jésus-Christ a déjà dit dans Matthieu chapitre 5 quelqu'un enseigne que une petite loi a été enlevée, cette personne sera plus petite dans le royaume de Dieu. Donc ouais, apôtre Paul, Jésus-Christ déjà bloqué apôtre Paul. Jésus-Christ par contre dit tête, il pas parler dire au côté que la loi existait puis au l'autre côté pour apôtre Paul marcher dire oh la loi pas existait, pas vrai. Donc, chers amis, tout ça apôtre Paul dit, c'est la façon que Paul parlait. On prend encore Romains chapitre 7. Nous parlons, même apôtre Paul n'a pas parlé là. Oui, apôtre Paul, oui. Et en Romains chapitre 7, commence au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Qui veut dire absolument non? La loi, est-ce qu'il observait la loi son péché? L'apôtre Paul dit non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit tu ne convoiteras point. La loi donc est sainte et le commandement est juste et bon et ce qui est bon donc est-il pour moi une cause de mort? Loin de là. Donc si la Bible dit que ça, la loi donc est sainte et bonne, ou pas qu'à donc dire la loi éliminée, ce mari qui sainte ou pas éliminée. Donc encore c'est la façon que Paul parlait. Paul son monde qui était dans mitan grec qui était habitué avec philosophie grecque. Donc c'est la façon qu'il parlait. Mais automatiquement ou pas qu'a dit apôtre Paul éliminer la loi, il pas valide parce que l'apôtre Paul pas gain autorité pour éliminer la loi. Jésus-Christ qui a plus autorité a t'a déjà dit ne croyez donc que je sois venu pour abolir. La loi n'a pas là pas dit commandement non. La loi qu'a parlé là c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse. Jean chapitre 3 verset 4, la Bible nous dit quiconque pêche transgresse la loi. N'importe monde qui péchait, le péché c'est la transgression de la loi. Depuis où nous péchons, c'est transgression de la loi. Dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Là, comment est-ce qui est très important? Qu'on y a l'âme comprendre pourquoi ça l'église n'a pas de puissance. Parce que l'église a pensé qu'il n'a pas de la loi. On a pensé qu'il n'a pas de la Pâque, pas de sabbat, on a mangé cochon, et on a pensé que Israël c'était blanc, on a pensé que Jésus qui est assez blanc, tous ces mensonges, et puis qu'on y a là, nous vînes en malédiction. Parce que la Bible dit que ça, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, prier pas de puissance, ou prier, puissance pas descendre, parce qu'il n'a prêché pas de la loi. C'est ça qui arrive là. En pile l'église qui a manifesté en langue, c'est mauvais esprit qui a manifesté, parce qu'il n'a pas prêché la loi. Depuis son côté, puissance a manifesté la loi de Dieu pas respectée, qui veut dire pas de puissance, bon Dieu pas là. Acte chapitre 5, verset 32, la Bible dit que ça, Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui obéisse. Donc, tout côté loi, bon Dieu, manifesté, ou abjoint la puissance de Dieu manifestée. Mais depuis ce côté-là, loi, bon Dieu, pas respecté, pas gagné pour Saint-Esprit. Toute l'église qui parle en langue, tout miracle qui fait, depuis là, loi de Dieu pas élevée, bon Dieu pas là. Bon Dieu pas là. I'm sorry, bon Dieu pas là. C'est ça la Bible a dit, c'est ça la Bible a dit. Si quelqu'un détourne son oreille, Proverbe 28, verset 9. Si on moun vire oreille, il dit, pas v'le tant de bagages ça y est encore. Chers amis, il a dit, même prier, on vient en abomination. On va même besoin de prier. Au côté, l'on prie, c'est péché, au péché. Et ça, la Bible dit là. Oh, chers amis, bagages intéressant. Bagages vient intéressant. Donc, Deutéronome 12, verset 28.
garde toutes et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi et à perpétuité, en faisant ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ma bonne bagaille. Les maps lit Bible, n'a plus 1 Samuel, 2 Samuel, n'a plus 1 Chronique, n'a plus 2 Chroniques, n'a plus Deutéronome. Peuple Israël, là, qui peuple moun noir, là, nous pas qu'à faire rien sans Yahweh. Et Yahweh, lui établi, les lois Yahweh élevées. Depuis, on moun qui a parlé de la loi de Yahweh, restaurer tout ça Yahweh demandé, tout ça l'Éternel demandé, c'est là ça Yahweh manifesté. Yahweh dit, c'est qu'on y a, m'a manifesté, c'est qu'on y a. Mais depuis, on a dit la loi de Dieu pas existé, ou te mettant de miracle, Yahweh dit pas là. Alors, nous sommes capables de comprendre quelques occasions côté dans l'ignorance, bon Dieu est capable de faire quelques miracles. Mais bon Dieu mette le clair dans la Bible, depuis ce côté, loi pas respecté, lui-même n'est pas là, lui met dehors. Donc, il y a une bagaille qui est important, là nous découvrons, c'est nous qui Israël là, nous pourrons restaurer aussi bien la loi de Moïse. Sauf qu'on y a là tout haïtien supposé à l'église et sabbat. Pas nécessairement l'église sabbat, faire réunion la caille, nous le sabbat tous si possible. Tout haïtien supposé pas manger cochon, parce que c'est Israël nous y est. Tout haïtien supposé observer la Pâque. La Pâque a venu là très bientôt. Et tout haïtien supposé observer la fête de tabernacle. Tout haïtien supposé la moisson. Tout haïtien supposé observer toute fête Moïse Bayo. Et le grand fête qui est le jour d'expiation, nous supposé jeûner jour ça. C'est pas parce qu'il blanc dit pour nous faire, non. C'est parce que c'est Israël nous y est. C'est vaudouan qui fait nous oublier qui moun nous y est. Et puis qu'on y a là, nous déconnecter avec ce passé. Bon Dieu voulait pour nous reconnecter encore. Et Exode 31, verset 16, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Exode 31, verset 16, la Bible dit comme ça que c'est perpétuellement. Perpétuel signifie tout en guettant. Tout en guettant fait. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Jésus-Christ dit comme ça. Pas maintenant tête, nous, comme tu as éliminé la loi de Moïse. Tout temps que le ciel n'a pas passé, pas jamais éliminé une loi de Moïse. Lévitique 3, verset 17, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc là encore, mon autre bagage qui est très important pour Israël, peuple noir là, et ça qui fait nous malades comme ça, oui. Tout en a violé la loi Moïse, et puis il n'y a pas quelque religion qui a dit la loi Moïse. Et éliminé, qui veut dire dans l'église, l'église va faire rien presque pour nous. Et comme c'est la parole de Dieu qui a parlé, il y a un bon bagage qui fait quand même, mais nous pas qu'à épanouir, nous pas qu'à sortir de la chaîne, parce que c'est, il y a continué de nous violer la loi de Moïse. Donc, manger sans, son malédiction, et pas observer le sabbat, c'est un péché. M'appelez vous en version anglaise, moi en version anglaise, parce que version anglaise dit nous, parler avec autorité. Ézéchiel 45, verset 21, and the first month, on the 14th day of the month, ye shall have the Passover. A feast of 7 days, unleavened bread shall be eaten. There, là, Ézéchiel mettait le clair. You shall, Allah, moi-même, j'ai en version anglaise, mettait you shall, qui veut dire son obligation, ou doit faire. L'on rencontre avec un police, il dit you shall move your car. D'accord, autorité, ce n'est pas mon machine, punition à tomber sur. Et nous parlons aussi bien de Zacharie 14, côté que la loi de Dieu va le restaurer encore, de Zacharie 14. D'ailleurs, majorité de l'église protestante, c'est maçon qui a dirigé. Tout le monde, c'est franc-maçon. Majorité protestante. Mal l'église protestante, on pino ouvertement avec bague maçon sur yo, si maçon, yo pense que c'est une chrétienté. Non, ça y est pour voir Satan. Parce qu'on n'a pas qu'à diriger le peuple bon Dieu à ce là. Depuis la loi de Dieu pas respectée, puissance bon Dieu pas descendre. Le mal qui est très simple. Et m'appelez-vous dans Zacharie 14, verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Qui veut dire punition par le tomber sur le monde qui par observer fête annuelle. C'est ça que mensonge que. Adonai.